Bonjour à tous. Si vous n'êtes intéressé que par les vidéos ne traitant que d'un seul sujet complet, celles-ci sortent tous les 15 du mois. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo moins formelle qui sort chaque dernier jour du mois. J'y présente une impression qui m'a plu, mais sur laquelle je ne pouvais pas tenir une vidéo complète. Et lorsqu'il y a de la matière... Et il y en a souvent. Merci Slide. Je termine avec un petit bêtisier de l'enregistrement de la vidéo du 15 de ce mois-ci. Alors oui, c'est clairement une vidéo pour flatter l'algorithme de YouTube, mais ce n'est pas une vidéo ravière. Le but principal, c'est que nous gardions le contact avec une vidéo un peu plus courte, qui me demande en général un peu moins de travail, mais pour me concentrer un peu plus sur la vidéo du 15 du mois prochain. Il ne me reste plus qu'à vous dire, bon visionnage! Top générique. Ça fait complètement con ça. Voilà, la cravate normalement, là c'est... La méthode d'impression 3D, avec le matériel dont je dispose, utilise le principe... On va la refaire. La méthode d'impression 3D, avec le matériel dont je dispose... La méthode d'impression 3D, avec le matériel dont je dispose, utilise le principe... Et puis on va le refaire, encore une fois, je ne suis pas une fois prêt. Hein. La méthode d'impression 3D, avec le matériel dont je dispose, utilise le principe du dépôt de matière. Donc, pour imprimer, qu'est-ce qui se passe? Mini pistolet à colle chaude. Et dépose passage avec après passage. Enfin, je la refais. La principale différence entre l'impression 3D. Pour conclure, le modèle CNC n'est clairement pas mon modèle préféré. Hey, c'est encore moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à liker et à partager. Allez, ciao ciao !